Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un training particulièrement cardio. Pour ceux qui veulent perdre du poids, il est efficace. Donc dans ce training, on va faire déjà dans un premier temps un petit échauffement de la course sur place, montée de genoux, jumping jack, mais je vous expliquerai au fur et à mesure. Et après, on partira sur un Tabata. Donc un Tabata, qu'est-ce que c'est? Un Tabata, c'est 30 secondes d'effort et... je crois que c'est 10 secondes de récupération, un truc comme ça. Après, il y a différents Tabata, mais moi, ce que je vous propose, c'est ça. Voilà. Donc, sur les Tabata, pareil, je vous dirai les exercices avant de commencer et au fur et à mesure. Donc, on va voir surtout une partie haut du corps, une partie plutôt ciblée au niveau de la ceinture pelvienne. Donc, plus sous forme de gainage un peu rythmé, c'est mieux. Et on aura une partie... aussi au niveau des jambes et un autre exercice qui fera tout le corps. Mais ça, de toute façon, je vous le dis au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Je mets tout en place et on commence. Ok les amis, on est parti pour un petit échauffement pour bien commencer cette séance. Je mets un petit peu plus fort la musique. Et on est parti. Allez, on commence. Petite course sur place. Voilà. Si vous pouvez, après si vous avez de la place, vous pouvez avancer, reculer, côté, selon la place que vous avez chez vous. Allez, allez les amis. Faites des petites talons fesses. Essaye de toucher les fesses avec les talons. Allez, montez de genoux. On gagne bien les abdos. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, faites simplement ça. Un peu rythmé, mais juste ça. Les autres, faites comme moi. Allez, allez. Ok, on reprend la course. Ok, les amis. Jumping jack. Ok, articulation. Fais les bras en avant. En arrière. Ok, poignet. Regarde les hanches, face, c'est juste les épaules qui pilotent. On commence à engager en fait tous les abdos, donc ventral, oblique. On peut bien les échauffer. Ok, les genoux. Chevilles, vous faites des rotations. Puis donc fait comme si on était sur un step. Hop. Voilà. Ok.
On respire et on attaque le Tabata. Buvez un coup, ça va aller très vite. Alors les amis, le Tabata d'aujourd'hui va se composer, donc on va faire en fait sur deux musiques. Donc la première musique, la deuxième musique, ça sera les mêmes exercices. C'est juste pour qu'on fasse le plus de fois possible. Voilà. Généralement, les Tabata, une musique dure 4 minutes. Donc, 2 musiques, 8 minutes. Donc, 8 minutes assez intense pour le coup. Premier exercice, pompe. Pompe. Donc, pompe. Position de pompe. Vous pouvez prendre un petit tapis, une serviette, c'est comme vous voulez. Voilà. Pour ceux qui n'y arrivent pas, des gens comme moi, c'est-à-dire, on fait sur les genoux. Voilà. On écarte légèrement les mains. On lève les jambes derrière, là, les talons, je les mets vers les fesses. Et là, on descend jusqu'à toucher la poitrine au sol. Ok? Donc ça, pendant les 30 secondes d'effort. On en fait le plus possible à son rythme. Pour ceux qui sont plus forts, sur les pieds, pareil, on descend et on remonte. Ok? Ça, ce sera pour le premier exercice. Deuxième exercice, mountain climber. Mountain climber, pareil, je me mets en position gainage. Mais cette fois-ci, gainage peut être comme ça, mais là, sur les mains. Mountain climber, on va monter les genoux à la poitrine, comme ça. Voilà, pour ceux qui n'y arrivent pas, vous faites simplement comme ceci. Voilà, on reste assez droit dans sa position et on monte les genoux, d'accord? Troisième exercice, squat sauté. Donc le squat sauté, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un squat, c'est on écarte un peu plus les pieds, un peu plus de la jambe des épaules. On descend le dos droit. Voilà, et on remonte. Ça, c'est juste un squat. Squat sauté, c'est un squat, je saute. Voilà. Ça, c'est un squat sauté. Pour ceux qui n'y arrivent pas, restez sur le basique, squat. Voilà. Quatrième exercice, burpees. Burpees, un mouvement assez complexe. En fait, si je le décompose, c'est je descends au sol, je pose les genoux, une pompe, je remonte, je saute, là, voilà. Donc en fait, en vrai mouvement, ça fait ça. Voilà. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous avez juste à descendre, remonter, sauter. À descendre, remonter, sauter. Voilà. Et ça sera tout pour ce Tabata. Donc, on y va, je le fais avec vous. Allez, pompe. On est parti, les amis. 4, 3, 2, 1, go! Alors lâche pas.
parti. Allez,
squat. Allez, allez. 3, 2, 1, go. Ok les amis, maintenant petit étirement de tout le corps, comme on a bien sollicité tous les muscles. Allez, c'est parti, on commence par les jambes, on attrape sa jambe derrière, on colle le genou à l'autre si on peut, on bascule le bassin vers l'avant pour avoir une meilleure tension et on respire bien. Passe à l'autre jambe, pareil. Okay. Fixez un point si vous avez un déséquilibre, ça va être bien. Ok, on passe cette jambe devant l'autre et on vient juste faire en fait, voilà, baisser à partir des hanches. Pour étirer les ischios derrière. Ok, on passe. On fait l'autre, on croise et on bascule. Okay. On fait comme une fente. Jambes bien derrière et on vient descendre le bassin. Voilà, pour étirer le psoas qui passe ici, là, dans l'aine, là, et qui remonte. Mais il faut bien l'étirer, c'est important. Ok, on fait l'autre côté. Notre bras derrière la tête. Avec cette main, on va attraper le coude et on tire légèrement. Rentrez bien le bassin, je ne veux pas des bassins comme ça. Rentrez pour protéger le dos. Ok. On passe à l'autre. Pareil, attrape le coude. Voilà. On étire, on descend, 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 descend. Et on fait comme si on était tout haut. On détend la nuque. On remonte, on remonte. On refait une fois. On étire. Et on descend, 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 descend. Et c'est terminé les amis, bravo à tous.